Comment utiliser le tableau de conversion interactif pour faire l'exercice 5 du CESAMAT? Par exemple, comment convertir 15,87 cm² en mm². Pour cela, commencez par écrire 15,87 cm² dans le tableau en cliquant sur cm². La virgule apparaît donc en bas à droite dans la colonne de cm². Dans 15,87, cherchez le chiffre des unités. Dans un nombre décimal, le chiffre des unités est le premier chiffre à gauche de la virgule. Par conséquent, à gauche de la virgule, écrire 5 unités. À gauche du 5, écrire une dizaine. À droite de la virgule, écrire 8 dixièmes. À droite de 8 dixièmes, écrire 7 centièmes. Nous avons donc écrit 15,87 cm². Pour convertir en mm², il suffit de cliquer sur mm². Et on voit que 15,87 cm² sont égaux à 1587 mm². Ce qu'on va écrire dans notre exercice. 15,87 cm² sont égaux à 1587 mm². Voilà, c'est terminé.